Salut à toutes et à tous, ici Kalion et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 17 de notre aventure sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour l'histoire de Trunks qui était la trame principale de Dragon Ball Z Shin Budokai 2 qui était sur PSP. Avec Boo aussi, les deux étaient combinés. Donc, l'histoire de Trunks par contre c'est un chapitre assez long, si je me souviens bien. Par contre celui-là c'est vrai qu'il était assez... il était vachement long, ouais. Et du coup... je pense que celui-là, on le fera en deux épisodes. Parce qu'en fait, le chapitre de Trunks, il est séparé en plusieurs trucs. C'est-à-dire qu'on aura les cyborgs, on aura d'autres choses après, encore d'autres choses. Enfin, je pense qu'ils l'ont réparti sur plusieurs chapitres différents aussi. Ils n'ont pas tout mélangé, ce serait plutôt bien. Donc là, ça va surtout être le chapitre de Trunks avec les cyborgs. Having made the Earth safe once again, the Z Fighters were free to enjoy the years of peace that followed. Then, one terrible day, two evil androids suddenly appeared. One by one, they attacked and murdered the Z Fighters. Until, at last, only Trunks survived, left to face this nightmare alone. Now, fueled by anger and grief at the loss of his mentor Gohan, Trunks' Super Saiyan powers have been released. Voilà, donc là on se trouve encore dans une autre génération de guerriers, puisque Trunks est le fils de Vegeta cette fois. Voilà, ah oui, Rocher, oui, je croyais que c'était autre part. Donc là on va surtout affronter C16 et C18, ou C17, merde. Now begins the story of a dark future time, and an earth shrouded in the shadow of fear. Androids 17 and 18 were unleashed upon the world and brought humanity to the brink of destruction. None of the Z Fighters survived. None but Gohan. Come on, Trunks! Okay, get ready. Gohan trained Trunks to utilize his Saiyan powers. And after Gohan's death, all hope for the future depended on Trunks. Donc, on se retrouve à jouer Trunks. Ce n'est pas Trunks du futur d'ailleurs. Enfin, c'est assez bizarre le contexte dans lequel Trunks arrive dans le passé en venant du futur. C'est assez compliqué à expliquer. Mais en gros, Trunks du futur a les cheveux longs, pour faire simple. Et Trunks du entre guillemets présent a tout simplement les cheveux courts comme ceci et a une épée. Chose que n'a pas le Trunks du futur, il me semble. Donc c'est par ça que vous pouvez très facilement les repérer. Alors, du coup, l'attaque des cyborgs a tué tous les super guerriers. Il ne reste plus que Sangohan adulte, c'est très important de le stipuler. Et Trunks, qui est adulte aussi maintenant, oui. Et donc du coup, ce sont les deux derniers super guerriers, ou super Saiyan comme vous voulez, sur la terre de vivants pour protéger le peuple, enfin les terriens, de C17 et de C18, qui sont frères au passage. Ok, c'est parti. Donc là, on va d'abord s'entraîner contre Gohan, adulte. Et j'adore le gameplay de Trunks parce que... ah merde, presque. Parce que en fait, il y a un autre perso qui ressemble à Trunks au niveau des combos. Et qui a une épée aussi, il s'appelle Tapion. Et j'adore Tapion. Hop, tour ici. J'adore Tapion. Je sais pas si y en a qui se souviennent de qui c'est. Parce que Tapion, en fait, c'est un guerrier... enfin, je sais pas si c'est un guerrier Shin, on appelle ça comme ça, mais j'adore en fait ses combos. Et j'adore c'est qui quoi. Enfin, j'adore son gameplay quoi. Je me souviens plus de c'est qui quoi lui. Buster final. Ah, sympa ça. Je me souviens vraiment plus des combos. On va essayer son ultime, tiens.
Hop, Sangon il en prend plein la gueule. Par contre j'aime pas Sangon adulte, j'aime pas trop. Eh putain mais... Je sais pas, enfin peut-être parce que je l'ai pas trop joué et que je préfère. Je suis resté à Sangon ado Super Saiyan 2, peut-être aussi. Parce que bon il est badass. Bon bah ce sera pas dans ce chapitre là qu'on va affronter Cell. Donc on verra bien. Merde, c'était pas ça que je voulais faire. Bon bah t'es mort. Enjoy. Je me suis trompé d'attaque. C'est pas grave. Mais c'est bien parce que avec vous en fait je redécouvre un peu le gameplay de tous les personnages qu'on jouera. Chose dont j'en avais rien à foutre quand j'étais gamin et que j'y jouais. Je voulais juste jouer quelques personnages et là je m'en foutais, je les jouais mais sans m'intéresser, sans plus à leur... comment dire... à leur gameplay, à leur technique. Mais bon là, ça va. That's enough for today. Right. Explosion rang out from the heart of the city. The androids had resumed their furious rampage. Trunks, you stay here. No, I'm coming too. Gohan knocked Trunks out and went to face the androids alone. C'est honorable mais stupide de sa part quand même. Protéger son ami c'est sympa mais te suicider pour ça. Bon du coup on va jouer Sangohan adulte. Par contre j'aimerais dire un truc, c'est que je sais pas s'il y en a qui parmi vous se souviennent où on jouait à Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, mais l'intro de Tenkaichi 3 de Sangohan adulte, il est trop bien fait. Il est trop badass, c'est un truc de fou. Ça donne envie de le jouer. Il est vraiment badass hein. Enfin, de toute façon, l'intro de Budokai Tenkaichi 3, niveau graphisme, elle est magnifique, elle vieillit pas. Hein. Franchement, elle est très très belle. Même celle-là, hein. Mais celle du 3, elle était vraiment marquante, en fait. Parce qu'il y avait les plus gros guerriers contre les plus gros Saiyans. Et ça faisait un peu un mélange explosif. Donc, Sangohan, dernier super guerrier, barre la route des cyborgs dans leur périple destructeur. It's been a while, Gohan. A year now, right? Nice to see you're in good health. I've been training hard for this moment. This time I won't lose. Oh, really? You do realize we only used half our power last time, right? What? And this time, we won't let you run. Donc là, on va affronter C17 et C18 et on va en prendre plein la tronche. Je n'ai plus de artefact santé plus 5. Ça va être la cata. Bon, c'est pas, on va mettre santé plus 1, tant pis. Ce n'est pas grave. Donc du coup, on va pouvoir jouer Sangohan adulte et Gohan Super Saiyan 1. A noter qu'il a Super Saiyan 2 aussi, mais on l'a pas tout de suite. Putain, en plus leur niveau est juste affreux quoi. Mais bon, on s'en bat les couilles du niveau, c'est le skill qui compte, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, on va survivre. Voilà. Mince, j'ai bugué cérébralement. Voilà, moi je m'en fous, je te cœur. Voilà. Ah, j'aime pas ce gentil quoi, putain, c'est du gâchis quoi. Olé, je te renvoie les balles. Te calme par contre. Oh, merde. Pfff. Non, ça fait trop mal en plus ça. Oui, aïe, oui, oui, aïe, oui, oui, mes fesses, oui, aïe, oui. Aïe. Les cyborgs sont pétés, on va pas se mentir. Oh merde. C'est vrai qu'il a ça, j'avais oublié par contre. Lève-toi. Yeah, lève-toi. Ah, Maseko. Comme avant. Ouais, c'est qui quoi? Ils sont pas très innovants, c'est ça qui est chiant. C'est dommage. C'est trop marrant de faire ça. Bon, j'arrête de faire les mêmes trucs parce que sinon c'est pas drôle. Miaou. Ah oui, mais on peut détruire le décor, je suis con. Ah, peut-être une Dragon Ball. Qui sait? Ah bah voilà. Allez où? Oh putain, j'ai esquivé ça. Maintenant, faut gagner le combat. Hein. Putain, mais il va se lever! Lève-toi!
Et hop. Moi, c'est C18 que je crains. Lui, je m'en fous encore. Hein. C17, ça va, il est gérable. C'est C18, elle fait mal. Elle est chiante. Elle est très faute. Et en plus, c'est une fille. Alors, en plus, ça fait mal. Elle te met la baffe. Oh, t'as rebondi sur la voiture. Magnifique, amazing plays. Casse-toi. Ah, ça, on peut pas. Oui. C'est vrai, on ne peut pas. Merde. On ne peut pas l'éviter. Oh putain! Allez, Masenko! Oups! Je l'ai fait bugger, la pauvre! Allez! La grande, je vais te camper, tu vas voir. Ah non, mais faut vraiment pas la laisser me frapper. Hein. Là, je l'enchaîne parce que j'ai pas le choix, mais putain. Casse-toi! Là, j'essaie même pas de combattre à distance, hein, parce que elle me défonce. Hein. Il a juste à faire ses enchaînements et c'est bon, je suis mort. Ou ses disques, c'est pour ça. Donc, Trunks Super Saiyan épée. Donc là, on a déverrouillé la boule à 5 étoiles de Dragon Ball, voilà. Et le personnage jouable, Trunks Super Saiyan. Donc, Trunks du présent. Super important de le préciser. Donc, level up, nice. Bon. Impuissant, sanglant et cruellement torturé par les cyborgs. Incapable d'aider son mentor, Trunks, désespéré, entre dans une colère dévastatrice. Ironiquement, c'est la première fois que Trunks dévoile ses pouvoirs de Super Saiyan. Oulala, Trunks, il est chaud. En même temps, c'était un peu son meilleur ami, Son Gohan, donc forcément. Bon alors, c'est toujours ici, oui. Mec, il tourne en rond, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? With his mentor Gohan gone, Trunks set out to face the androids on his own. Today's the day! I'm going to avenge my murdered friends! You again? You never learn, do you? Hey, 17. Is it okay to kill him? I want to have some fun. Allez, c'est parti! Ah, ils ont un niveau moins important déjà. C'est déjà une bonne chose. Vous avez vu, même les combats qu'on doit perdre, je les gagne. Allez, go! C'est parti! Je vais venger mon mentor! Tiens, mange. Prends-toi le mur. Ça, c'est la map pour farmer. Merde, qu'est-ce que je fais? Je voulais charger mon énergie, mais j'avais pas de stack, donc ça servait à rien. Ça, c'est la map pour farmer les Dragon Ball. Tu vas montrer son ultime un peu. Et pour ça, en fait, il faudrait que le curseur soit sur l'écran. Putain, putain, mais ses coups sont super longs à charger. Oh merde, il y a une Dragon Ball là-haut. Oh, casse-toi. Oui, je sais, c'est des combats très passionnants. J'essaie de viser en fait. Regardez, c'est vraiment une map pour farm les Dragon Ball. Tiens, regarde, attrape, frisbee. Bim. Surtout que c'est pas évitable ça, donc c'est trop drôle. Lol. Putain, mais il me saoule à rester par terre, lève-toi. Ok, ok, j'ai un dit, c'est bon. J'ai un dit, tiens, mange-toi le mur. Ok. Là, c'est le moyen numéro 1 de le défoncer en faisant ça. T'enchaînes plein de trucs, mais t'essaies de varier. Comme ça, il tombe pas. Bim! Reste en chien! Oh Dieu! À genoux. Enfin, par terre. Alors là, on a le World Boss qui arrive. Elle. Aïe! 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 Oh putain! Oh, j'ai mal pour elle. J'ai mal à ma foire. Lève-toi!
merde, ça c'est inévitable. Oui. Ah si, putain, j'ai réussi. Mais en fait, ça c'est un peu comme les disques de Krilin. Vous voyez, son ulti, bah c'est inévitable. Bah ça c'est pareil. Enfin, si c'est évitable, mais faut vraiment être très fort, quoi. Bah c'est pareil. Surtout que les trucs vous suivent, c'est pas en ligne droite. Donc forcément, puis on peut pas parer, ça transperce votre garde, pardon. Donc c'est un peu chaud quoi. Bon par contre, il y a qu'une Dragon Ball par combat hein, qu'on peut trouver. Donc ça c'est se répéter sinon. Non. Ah ouais, ouais, ça sent en rafale. Casse-toi. Allez. Allez. Putain, mais ça veut jamais. Oui. Regardez. Oh bah ouais. Putain, il y a. Et la maison, elle m'a sauvé quoi. Aïe 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 aïe. Oui. Putain, m'a baffé. J'hallucine. Tu m'as baffé. Tiens, attrape. Tiens, frisbee. Tiens, attrape la balle, le gardien. D'accord, très bien. Bonjour. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Là. À l'attaque. Non mais je te pèterai ta garde s'il faut. Encore. Ouais, encore. C'est trop fun. Encore. Oh l'autre, il s'était fait. T'as pas honte? Attends. Ah, Genki la main! Merde. En fait, ça part ici. Nyan! Trop autiste, lol. Vas-y! Ah, je dirais qu'elle a pas envie. Ah putain, sérieux. Là, je m'amuse à tester des trucs, hein, parce que je sais que le combat est gagné. Hein. Aouh! Mais tu fais mal! Eh oui, eh oui. Bon, j'ai compris. Voilà. Attrape! Attends. Là, ce sera peut-être mieux. Ouais. Nyon. Allez! Meurs! Tu sais, c'est genre le coup d'épée qui achève. C'est pas mal, hein. Bon, c'était un peu un combat de merde. Ah, très bien. D'accord, donc le chapitre est fini. Really? Enfin, je veux bien que les chapitres soient courts, mais quand même, c'est bizarre. On va se mentir. Though badly injured in his foolish confrontation with the androids, Trunks survived to fight another day. No. And after completing her time machine, Bulma sent Trunks into the past on a quest to save the future. Hoping to create a peaceful world, free of the android menace. Et voilà le chapitre dont je vous parlais. Où est-ce qu'on aura une confrontation avec Trunks, qui viendra du futur, et qui retournera avant que tous les événements se produisent avec les cyborgs, et c'est là que ça va dégénérer avec Cell et les autres cyborgs, car il y en a d'autres. Voilà, tout simplement. Du coup, c'est quel... Voilà, là, c'est le vrai scénario, les cyborgs. Et c'est là-dedans qu'il y a Cell, je crois. Et tous les autres. Et c'est là aussi qu'on va rencontrer Sangohan. Ado Super Saiyan 2, putain. Ce combat est trop épique contre Cell, franchement. Il est géant. En plus, il est super bien foutu et scénarisé dans Tenkaichi 3. Enfin, Budokai Tenkaichi 3. Donc, on verra ça dans le prochain épisode. Voilà. Regardez, il est pas badass déjà son artwork. Franchement, quoi. Non mais, c'est plus possible. Là, genre, mon tablier, c'est n'importe quoi. Bon, eh bien, du coup, vu qu'on a terminé ce chapitre, j'ai dit que je me limiterai à un chapitre par vidéo. Donc, ce sera tout pour cet épisode de numéro 17 de notre aventure sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et au prochain épisode dans lequel nous ferons les cyborgs. Et cette fois, celui-là, il sera vachement long. Niveau de vie, je dirais...
Un peu comme Suite Boo et un peu comme Suite des Saiyans aussi, je pense. Donc ce sera, ouais, ce sera quand même 2-3 épisodes. Donc on verra bien. Allez, prenez soin de vous et en attendant, amusez-vous bien. Salut!